sur Global Africa TV. Je débat aujourd'hui de l'Afrique à l'aune de la COP29. Conférence de Bakou 2024 qui se penchera sur les changements climatiques et aussi sur le financement des pays pauvres par les pays riches, industrialisés et pollueurs. Ce financement à hauteur d'une bagatelle de 100 milliards de dollars non seulement divise mais peine depuis 2009 à être rassemblé. Pour en parler, je reçois d'abord Léonce Gwadi, président de la semaine africaine, de la semaine des solutions, SAS. Bonjour madame. Bonjour Léonce. Ensuite, Brice Lalonde, militant écologique, ancien ministre de la transition écologique. Bonjour, bonjour madame, merci de l'invitation. Serge Meunier, fondateur de cabinet Grassfield Adventures, c'est bien ça ? C'est bien auteur ça, de l'Afrique face au cynisme climatique. Donc, sans plus tarder, chers téléspectateurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Nous allons commencer par Léonce Gwadi. Léonce, entrepreneur, mais soucieux de la question climatique en Afrique. 40 propositions. D'abord, merci pour l'invitation. Comme vous le savez, chaque année, il y a toujours des sommets, des conférences, des ateliers, des tables rondes sur les défis climatiques en Afrique et dans le monde. Et nous, aujourd'hui, à notre niveau, dans le cadre d'un événement qu'on a mis en place qui s'appelle la Semaine de l'Afrique des solutions, nous essayons d'aller sur le terrain pour identifier les solutions innovantes qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains en matière environnementale pour essayer de les révéler, valoriser et amplifier. Aujourd'hui, en termes de solutions, vous avez des Africains, des femmes et des hommes qui créent des solutions. Vous allez en République démocratique du Congo, par exemple, vous avez le jeune Bobobo Benza qui va à Kinshasa ramasser les déchets plastiques et les transforme en poubelles écologiques et en briques auto-bloquantes. Ça, c'est des initiatives qui doivent mobiliser les uns les autres. Vous allez au Sénégal, vous avez la Madame Fall et qui ramasse les pneus abandonnés dans les rues de la capitale et les transforme également. Idem dans d'autres pays comme le Mali, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire. Donc nous nous sommes engagés dans cette dynamique-là pour mettre en lumière ces initiatives citoyennes qui n'ont l'air de rien, afin que dans le cadre des sommets qu'on organise souvent à l'international, les gens puissent tenir compte de cela. Alors, Brice Lalonde, vous venez d'écouter Léonce qui a des solutions, qui est en contact avec des solutionneurs en matière de faire leur part hein, en ce qui concerne la réduction de l'effet de serre. Alors, il faut saluer toutes ces initiatives, et remercier et aider tous ces citoyens qui d'eux-mêmes font quelque chose d'utile. Maintenant, en même temps, si on veut lutter contre le changement climatique et si on veut aussi se développer, les questions les plus importantes, c'est l'énergie, quelle source d'énergie, comment on fait, ce sont les transports, c'est l'urbanisme. Et donc, il faut aussi que les actions citoyennes, comme elles sont décrites là, il faut qu'elles soient accompagnées aussi de politiques d'État. Il faut aussi que les États prennent des dispositions, travaillent ensemble pour les interconnexions électriques, par exemple. Et il faut qu'il y ait des entreprises et dans des réglementations sérieuses que les entreprises travaillent et ensuite que les négociateurs dans les conférences internationales se mettent d'accord. La question du financement est une question évidemment très importante. Alors, Serge-Éric Meunier, vous, votre discours tranche complètement sur la question de financer d'initiatives climatiques parce que vous trouvez que derrière, dans votre dernier livre, qu'il y a un cynisme climatique en Afrique. Ouais. Déjà, merci pour l'invitation. Je suis très content d'être ici et d'avoir en face de moi des interlocuteurs aussi intéressants. Je souscris au récit. Il faut créer de nouvelles choses, il faut raconter de nouvelles histoires et il faut mettre en avant ce qui marche, effectivement, pour pouvoir inspirer d'autres personnes. Ce que je déplore, justement, c'est qu'il n'y a pas derrière un souffle qui vienne des États pour soutenir ces projets parce que autant ces projets sont intéressants, mais ils pêchent par leur niveau d'échelle. C'est-à-dire que ça reste à des très petites échelles. Donc, l'impact n'est pas assez puissant. Or, l'Afrique a besoin d'un choc de changement pour pouvoir effectivement répondre aux défis qui se posent à elle actuellement. Je tranche évidemment sur la partie du financement parce que déjà, il y a quelques solutions assez innovantes qui existent aujourd'hui,
à travers les crédits carbone, par exemple, qui permettent effectivement de soutenir ce type de projet. C'est-à-dire que des projets qui permettent d'éviter des émissions ou qui permettent de stocker du carbone peuvent se faire financer aujourd'hui par des nouveaux instruments qui sont mis en place à travers les crédits carbone. Le Gabon l'a fait avec ses forêts. Le Kenya également est très bien positionné là-dessus. Il y a pas mal de... On parlait tout à l'heure des vélos électriques en Afrique. Il y a beaucoup de start-up qui aujourd'hui ne vont pas chercher de l'argent sur le marché classique de financement, mais plutôt vers des institutions qui soutiennent des projets construits autour des émissions carbone. Et comme ça, ils arrivent à recevoir des fonds en contrepartie, effectivement, des solutions environnementales auxquelles elles répondent. Ça, c'est la première chose. L'autre partie, c'est celle où, effectivement, les engagements ne sont pas respectés, toujours dans le cadre du financement. C'est-à-dire qu'entre Glasgow et Copenhague, il y a eu une pluie de promesses pour effectivement soutenir. D'ailleurs, ce n'était pas que l'Afrique, mais principalement l'Afrique. C'est-à-dire que des pays qui étaient impactés par les effets du changement climatique sans avoir émis autant que les autres. Mais dans la réalité, rien n'a vraiment suivi. Ça, c'est la première chose. Et l'autre versant de ce problème de financement sur les promesses non tenues, c'est tout le discours aussi qui se construit autour de ces promesses-là de la part des pays africains qui s'estiment victimes de promesses qui n'ont pas été honorées. Sauf que quand on regarde dans la réalité, beaucoup de ces promesses aussi n'ont pas été honorées parce qu'il n'y a pas de projets concrets pertinents qui ont été mis en avant pour pouvoir recevoir ces fonds. Ça, on ne l'aborde jamais, y compris les journalistes, c'est un peu décevant là-dessus. Et la deuxième chose, c'est que l'Afrique reste quand même détentrice de pas mal de ressources qu'elle peut placer, qu'elle peut gager pour pouvoir recevoir de l'argent si elle souhaite vraiment investir dans les projets verts. Donc c'est tout ce discours pas très honnête que je déplore, et le changement climatique finalement apparaît pour beaucoup de gens, d'acteurs surtout, une nouvelle façon de communiquer, c'est-à-dire que c'est un outil marketing et en fonction de celui qui parle, l'avis sera différent, tout simplement. Voilà. Alors, Léonce, il a plu dans le désert du Sahara, des années de pluie, ce qui est manifestement indicateur de perturbations climatiques. Il faut de l'argent, un financement, comme on dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible, comme vient de le dire Serge Meunier, de trouver des ressources de financement en Afrique plutôt que d'aller chercher 100 milliards vers des personnes, des pays qui ne veulent vraiment pas, hein, parce que jusque-là, on peine à trouver les 100 milliards, qui ne veulent pas être le pollueur-payeur. Est-ce que finalement, l'Afrique ne doit pas se retourner sur elle-même par l'Union africaine, par son agenda 2063 par exemple, pour trouver des solutions à endiguer le climat ou encore être elle-même, se financer par elle-même, non ? Oui, c'est une question de bonne volonté, de volonté politique. Les solutions, elles existent. Et moi, je n'ai rien contre les conférences qu'on organise chaque année, mais vous allez vous rendre compte, comme il a dit tout à l'heure, que ce sont les mêmes engagements qu'on répète chaque année. Depuis je ne sais pas combien d'années, c'est le même engagement non tenu. Je suis sûr que la conférence de cette année, ça va reconduire les engagements de l'année dernière. Pour ce qui est de l'Afrique, je crois qu'il y a des solutions. Et il faut engager la responsabilité des pollueurs. On arrivera aux solutions. Oui, bien sûr. Mais d'abord, est-ce que l'Afrique doit se penser par elle-même au lieu… On est à quelques semaines de la prochaine COP de Bakou. Et où il sera encore question de financement. Et cette question de financement, est-ce qu'elle est l'essence, essentielle à l'Afrique, où l'Afrique doit, par elle-même, générer quelque chose pour ne pas dépendre ? Bien évidemment, il faut que les États puissent en faire une préoccupation majeure et engager la responsabilité d'abord des pollueurs de taille qui sont sur le continent et la responsabilité du secteur privé et également de nos pays africains et qui viennent de l'extérieur de l'Afrique également, les élus, et également les décideurs, les banques. Il faut pouvoir engager la responsabilité de tous ces acteurs-là pour que nous puissions trouver des solutions locales, purement africaines, pour faire face à ces défis climatiques. Brice Lalonde, vous, ministre, vous avez vu beaucoup de phénomènes climatiques se faire, notamment la brûlure de la forêt amazonienne
Il y a un pays qui a 10 jours de feu, hein, qu'on n'arrive pas à éteindre. Oh, il y a le Canada aussi, ça brûle, c'est épouvantable. Voilà. C'est devenu la première source d'émissions du monde, mais, c'était le Canada l'année dernière. Mais comment ces pays, depuis la COP21, je crois, où François Hollande avait décidé, avec sa télécommande, de réduire le climat, de baisser à au moins 2 degrés, n'arrivent pas. Pourtant, ici, au Canada, les moyens ne manquent pas. Qu'est-ce qui fait qu'on est toujours au même niveau et que chaque année, ça, le degré grimpe un peu plus? En fait, ce que je veux dire, la télécommande de Hollande, président, n'a pas marché. Non, mais il y a 195 pays dans le monde. Et en plus, il y en a de plus en plus parce que chaque fois qu'il y a un pays qui devient indépendant, allez hop, il s'inscrit aux Nations Unies. Donc 195 pays, pour les mettre d'accord, ce n'est pas évident parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts, parce qu'ils sont très différents. Il y a des pays jeunes en plus qui veulent se développer, il y a des pays vieux qui veulent continuer à rester riches, il y a tout ce que vous voulez. Donc c'est très difficile de les mettre d'accord. Donc il faut trouver le moyen de les mettre d'accord. Alors, pour l'instant, il faut comprendre que les pays développés, ceux qu'on appelle les pays de l'OCDE par exemple, eh bien les émissions descendent. Ça y est, le pic, on a passé le pic, ça commence à descendre. Ça ne va pas vite, hein, mais ça commence à descendre. En revanche, là où ça monte encore, bah, c'est tous les autres pays. Là, ça monte. La Chine, ça monte. L'Inde, ça monte. L'Afrique, ça monte. Même si ce n'est pas beaucoup, mais ça monte parce qu'on veut se développer. Et parce que la meilleure manière, la plus facile manière de se développer, c'est d'utiliser le pétrole, le charbon. Et c'est ça qu'il ne faut pas utiliser. Alors, c'est ça la difficulté. Et donc, il faut se mettre d'accord à l'échelle mondiale pour dire, bon, les pays riches, eux, ils doivent commencer par montrer l'exemple. Donc, pas de charbon dans les pays riches. Ce n'est pas encore tout à fait ça. Hein. Bah, ça commence. Tandis que l'Afrique, on peut lui dire, tu as encore le droit au pétrole et au gaz pendant encore 30 ans, parce qu'il faut que tu te développes. Il faut quelque chose comme ça, quoi. Hein. Et pour l'instant, on n'a pas de grand accord mondial. Pour l'instant, c'est 195 pays, chacun a sa politique énergétique, et puis on essaie de se mettre d'accord. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Bakou? À Bakou, il y aura quand même une discussion importante, c'est celle des crédits carbone. Ça s'appelle l'article 6 de l'accord de Paris. C'est l'article qui dit on va se mettre d'accord pour échanger des tonnes. Ceux qui sont riches pourront acheter des opérations de réduction d'émissions en Afrique, par exemple, avec la forêt ou des choses. Donc ça va donner de l'argent à l'Afrique, ça va l'aider. Mais pour l'instant, on ne s'est pas mis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui sont contre les crédits carbone. Voilà. Ils sont contre, pourquoi ? Parce qu'ils n'aiment pas le marché ou ils n'aiment pas des choses comme ça. Donc il faut essayer de se mettre d'accord. Bakou, on pourrait y arriver. En revanche, sur le financement, personne ne sait combien ça va coûter pour la planète entière. Personne ne sait. C'est des milliards de milliards. Donc, si vous voulez, c'est pas la peine de s'engueuler sur des chiffres immenses. Alors, en revanche, pour l'Afrique et pour d'autres pays, ben, c'est ce que vous disiez. Il faut investir. L'argent, c'est pas des dons pour venir en Afrique. L'Afrique, c'est pas un mendiant. L'Afrique, c'est un pays qui veut se développer. Ah 52 non, non, pays non, qui non, veulent se développer. Ah non, je crois ils que... Ils veulent je crois se que... développer, c'est ça qui compte. Et donc, il faut les aider à se développer. Ah non. Là, je crois que c'est vous qui voyez cette volonté à se développer. En tout cas, peut-être pour les populations. Mais est-ce que nos dirigeants ont cette volonté de se développer? Étant donné que dans votre livre, vous le mentionnez, l'argent au développement ou l'aide au prêt, du prêt ou le prêt, prennent des destinations inconnues des populations. Il y a une étude qui a été publiée par Crédit Suisse en 2021 concernant les mouvements de capitaux dans le monde. Et on s'est rendu compte que pour le cas de l'Afrique, l'argent en provenance d'Afrique vers les paradis fiscaux avait tendance à augmenter. Et ça correspondait exactement aux périodes où les pays africains recevaient des aides. Donc, on estime que c'était de l'argent qui était détourné, versé à ces paradis fiscaux. Il y a un vrai problème de l'aide en Afrique, et même dans le discours déjà. Parce que ce qu'on qualifie d'aide n'est pas réellement une aide. C'est-à-dire que quand je viens aider mon frère, mon ami, etc., je lui donne l'argent sans en attendre un bénéfice particulier. La plupart de ce qu'on appelle aide, en fait, ce sont des prêts. C'est-à-dire, ici en France, on a… – Ah non, mais c'est l'Africain qui comprend aide, une aide comme une gratuité, alors que l'Occidental, généralement, je t'aide en te prêtant pour que tu sortes d'une situation le temps. – Et encore, celui qui
apporte cette aide a toujours une attente particulière, il attend un bénéfice particulier. Et puis l'aide n'est pas souvent financière, n'est pas que financière. Il y a de l'aide technique, par exemple. Il y a un projet où il manque de compétences. La France va envoyer, je ne sais pas, des ingénieurs d'EDF pour aller aider à la construction d'un programme nucléaire. Ça, c'est de l'aide, mais ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas un virement financier qu'on fait d'un compte à un autre. Donc, c'est ça. Concernant la volonté de se développer, effectivement, on la ressent plus du côté de la société civile, des populations, des jeunes, que de l'élite qui n'a pas du tout intérêt à ce que l'Afrique se développe, déjà parce que ce n'est pas dans son discours, et en plus parce qu'elle en profite. C'est-à-dire que à travers les financements divers, elle arrive à asseoir son influence parce que c'est elle qui capte tout ce qui est versé. Quand il faut extraire les matières premières, effectivement, c'est là où se négocient les gros contrats. Donc c'est là aussi où on génère énormément de corruption. Donc elle a encore intérêt à ce que ça se passe ainsi. Et puis derrière, un pays qui ne va pas bien, celui qui est au-dessus a plutôt tendance à être beaucoup plus influent du fait que les autres en dessous n'arrivent pas à se mettre d'accord et n'ont pas les moyens de tenir longtemps une révolte ou quoi que ce soit. Donc en réalité, on s'en plaint, mais c'est le paradis en fait pour les dictateurs que les choses aillent mal. Donc c'est ça qu'il faut aussi, c'est ça aussi qu'il faut regarder. Si l'Afrique ne va pas bien, c'est justement parce que il y a un problème de gouvernance évident. Léonce, justement, Serge Meunier, on veut par exemple le développement des pays des Émirats Arabes Unis qui ont eu le pétrole exactement au même moment que l'Afrique, mais qui sont maintenant même dans la pré-pétrole en développement de leur économie. Est-ce que c'est ce modèle qu'il faut à l'Afrique? Et si oui, pour y arriver, qu'est-ce qu'il faudrait? Pas forcément le même modèle. L'Afrique a ses réalités. Non, c'est-à-dire servir de la manne pétrolière pour se développer, pour se construire, et non plus de dépendre de l'expertise des tierces. Nous avons tout ce qu'il faut en Afrique pour vivre dignement et décemment. Nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème de gouvernance, comme il a dit, un problème de volonté politique. Si nous décidons d'y mettre fin demain et que tout le monde s'engage dans cette dynamique, nous sommes capables d'y arriver. Nous avons regardé tout ce que nous avons sur le continent comme richesse naturelle. Nous avons tout ce qu'il faut. Quand nos enfants, nos jeunes, nos frères, nos sœurs sont obligés de traverser l'océan, la mer, parfois se fait tuer, et viennent ici, pour ceux qui le peuvent, ça doit pouvoir nous interpeller. Et donc, il est de notre responsabilité, à nous, tous, Africains et amis de l'Afrique, de faire en sorte que nous puissions trouver des solutions purement africaines à ces genres de défis. Si nous ne le faisons pas demain, les générations à venir vont nous interpeller. Donc je pense que des pays de ce genre qui, au départ, tout le monde savait, on prend un pays comme le Japon, tout le monde savait il y a 30 ans, 40 ans comment était ce pays. Aujourd'hui, prenons aussi la Corée du Sud, mais aujourd'hui, regardez leur niveau de développement. Alors, ils n'ont même pas le tiers des richesses que nous avons en Afrique. Ils n'en ont même pas du tout. C'est une question de discipline. Ils ont une matière importante. C'est la matière grise. Oui. Donc, ça veut dire que si nous voulons, nous pouvons. C'est à nous de prendre. Il faut que les Africains cessent de se plaindre. Nous sommes responsables de ce qui nous arrive, de ce que nous vivons. Il ne sert à rien de continuer à pointer du doigt les autres. C'est nous-mêmes notre responsabilité. C'est à nous-mêmes de nous prendre plus au sérieux. Si nous nous prenons au sérieux, ceux qui viennent prendre nos richesses sur le terrain, mais si vous ne vous respectez pas, personne ne va vous respecter. Là où ça se vend à 10 euros, mais on va vous le prendre à 1 euro parce que vous ne vous respectez pas. Donc c'est une question de leadership solide, affirmé, affiché. Il nous faut des hommes et des femmes capables de bâtir l'avenir, capables de bâtir une Afrique meilleure, une Afrique juste, unie, solidaire, fraternelle pour les uns et les autres. Et c'est bien possible. On reviendra dans la deuxième partie de cette émission pour aller chercher ces femmes et ces hommes là où ils se trouvent pour bâtir une Afrique à un dessin meilleur. Bienvenue dans l'univers de Noah Cosmetics. Nous vous proposons une gamme de produits à base d'ingrédients naturels, des produits mixtes, adaptés pour la peau, les cheveux et le visage, et également pour toute la famille. Nous avons également une chaîne YouTube où nous recevons des professionnels et des passionnés du domaine du bien-être et de la bienveillance avec qui nous partageons leurs précieuses connaissances.
Rejoignez-nous sur tous nos réseaux. Bienvenue dans Tumulte sur Global Africa Télé-Sud. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pendant qu'on y est. Je retrouve mes invités et je m'adresse à Brice Lalonde qui nous trouve un peu trop afro-optimiste, afro-pessimiste et trouve qu'il y a du développement qui se fait surtout dans le secteur climatique. Parce que nous, ce que nous observons, c'est que les solutions pour les ressources pour développer quelques secteurs ou même prendre en charge la question climatique, les ressources sont plutôt exogènes au lieu d'être vraiment une convergence exogène africaine. Oui, c'est-à-dire que l'exemple du Nigeria, c'est frappant. Il y a beaucoup de pétrole, il n'y a pas de raffinerie. Résultat, ils importent de l'essence. Donc là, c'est là qu'il y a des choses qu'il faut évidemment transformer. Mais dans l'ensemble, il y a beaucoup de choses qui avancent. On a parlé du Kenya tout à l'heure. Le Kenya est un leader mondial dans la géothermie, la chaleur du sol. Kenya, c'est un pays sur 55 en Afrique. Un pays, oui, mais la Côte d'Ivoire, c'est pareil, ça se développe. Alors là, c'est le gaz. Mais vous avez aussi des centrales solaires dans l'Afrique du Sud, au Maroc. Vous avez toutes ces motos électriques, c'est un système de transport très astucieux. Vous avez partout de l'énergie solaire qui remplace le diesel quand ce sont des sources lointaines, quand c'est loin du réseau. Moi, je pense que l'Afrique est en train de se développer. Alors, ça ne va pas assez vite, il y a encore des problèmes. Il faudrait que les 52 pays travaillent ensemble davantage, etc. Mais dans l'ensemble, c'est parti, là, quand même, je pense. Donc, il ne faut pas être trop pessimiste. Il faut simplement se mettre d'accord à l'échelle mondiale. L'Afrique, on ne va pas lui dire... Enfin, et encore, ça dépend, parce que l'Algérie, par exemple, tiens, il devrait y avoir du GPL pour remplacer le bois et le charbon de bois. Il y a énormément de GPL. Il faudrait créer un grand marché du GPL. D'abord, arrêter de torcher ça. C'est une ressource formidable. Donc, il y a des grands projets possibles. Brice Lalonde, est-ce que vous n'avez pas plutôt un regard urbain de l'Afrique? Le développement de l'Afrique, pour vous, n'est que... Est-ce que c'est vous portez qu'une seule lunette, celui de l'urbain qui arrive en Afrique en tant qu'urbain et non pas... Je vous signale que les villes africaines, ce sont des villes qui deviennent immenses. Les populations, elles y vont dans les villes, qu'on le veuille ou non. Et donc, au Mali, par exemple, c'est plus d'un million de kilomètres carrés. Il faut l'éducation. De superficie. Je pense que c'est peut-être ça l'essentiel, l'éducation, éduquons comment travailler, comment est-ce qu'on peut amener les filles à l'école, etc. Tout ça, ce sont des questions très importantes, mais... Moi, je pense que c'est parti. Regardez la Grande Barrière Verte, ce projet du Sahel. Eh bien, la Grande Barrière Verte, d'abord, ça fait rêver un peu. On se dit, c'est extraordinaire, ce grand projet. Puis ensuite, on se rend compte que ce n'est pas si facile. C'est différent d'un pays à l'autre, d'un coin à l'autre. C'est une espèce de patchwork, là, avec de différentes solutions. Mais c'est passionnant. Et je pense que ça, vraiment, c'est un exemple de leadership. Il y a eu un leadership, là, pour proposer quelque chose d'enthousiasmant. J'ai même entendu quelqu'un dire qu'il faudrait mettre un TGV entre Alger et le Cap. Allez, zoom, tout ça. Je pense que des grands projets, ça doit aussi exister parce que ça fait rêver et ça mobilise. Alors, Brice, Serge-Éric Meunier, dans l'Afrique face au cynisme climatique, vous avez pu trouver un pays non aligné au sens propre, hein, un pays non aligné, reconnu de personne et qui n'existe que par lui-même et qui a pu trouver des solutions pour lui, des solutions non exogènes. Oui, il y en a un. il fallait bien en trouver un. Et il tranche beaucoup avec le reste du continent, parce qu'il n'est pas reconnu de la communauté internationale. C'est le Somaliland qui a fait sécession avec le Somalie, qui est en guerre en permanence, pour créer un État viable. À la surprise générale, ça fonctionne. Et ça fonctionne parce que le pays est très bien organisé au niveau de la violence. Il n'y en a pas du tout, contrairement au Somalie, à la Somalie qui est juste à côté et aux autres voisins. Même en Éthiopie, ce n'est pas toujours calme, avec le Tigré, etc. Économiquement, ils s'en sortent plutôt bien. Ils attirent des investisseurs, bien qu'ils ne soient pas connus et acceptés au niveau international. Il y a des infrastructures qui se construisent. Là, il y a les Émiratis qui sont en train de construire un port Deep World au port de Berneba, dans le Somaliland. Donc il y a beaucoup de choses qui sont. C'est un pays qui exporte. Il y a une démocratie qui fonctionne.
La ville est très sûre, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'incivilité, etc. Et ce pays a la particularité surtout du fait de ne pas être reconnu par les autres, de ne bénéficier d'aucune aide. Et il se porte beaucoup mieux que ceux qui sont sous perfusion depuis 1960. Donc il y a un problème. Il faut interroger ce qui ne va pas en Afrique. Et je pense qu'il faut s'appuyer sur cet exemple. On me ressort toujours le fait que ce soit un petit pays, il y a toujours une raison qu'on va vous brandir pour vous dire que vous avez forcément tort. Mais ce n'est pas ça. Bien sûr, à une échelle plus grande, ça aurait été intéressant à analyser, mais c'est le seul qu'on a. On va s'appuyer là-dessus. Et c'est assez intéressant. Au niveau, on parlait tout à l'heure des ressources de financement, par exemple. Ils arrivent à lever l'impôt localement. Lever l'impôt localement permet de prendre la distance aussi avec des financements internationaux. C'est-à-dire que dès l'instant où on arrive à recenser la population existante, on sait quel type d'activité elle a, on peut ainsi organiser la collecte des impôts. Ce qui reste très difficile en Afrique. Il y a 8 pays à peu près en Afrique qui déclarent automatiquement les naissances. 8 pays sur 54. Ah oui. Donc ça fait qu'on a à peu près, selon vous, 600 millions de personnes inconnues, qui n'existent pas. Alors, Léonce, quand des gens n'existent pas, comment est-ce que les bailleurs peuvent faire confiance pour venir investir? Et comment est-ce que vous, avec votre 40 solutions, 40 propositions de sortie de crise climatique, pourriez faire en sorte de vous arrimer à l'Union africaine afin que certains problèmes existentiels, mais faciles à solutionner, mais qui ne trouvent pas d'écho ni d'oreille pour y aller. S'ils ne sont pas reconnus à l'international, ils feront preuve de créativité. Non, mais même localement, c'est-à-dire un investisseur qui arrive, il ne sait pas ce qu'il investit. Il investit autour de combien de personnes, de quel impact ça va avoir sur les gens. Il ne connaît pas le nombre d'habitations, donc le retour sur investissement pour lui reste… C'est pour ça qu'il faut engager la responsabilité des uns des autres dans nos différents pays. Oui, mais vu que ça ne marche pas, parce que cette question, on a connu quand même le massacre en 77 en Afrique du Sud, qui a occasionné la journée de l'enfant africain. Ça veut dire que depuis là, on a détecté que dans les pays, il y a des enfants qui naissent sans identité, non reconnus. Et donc depuis 77 qu'on connaît ça, jusqu'à présent, il y a 600 millions de personnes non identifiées, qui naissent sans acte de naissance, ils ne sont pas connus. Alors, pour les affaires, pour le climat, comment tenir, comment faire un jour? Est-ce qu'il y a une possibilité avec l'Union africaine, avec des jeunes, des synergies, en synergie avec des jeunes comme vous pour pouvoir… – Oui, pas forcément l'Union africaine. Nous, dans le cadre de la semaine l'Afrique des solutions, et nous sommes très optimistes sur la question, il y a beaucoup d'initiatives citoyennes qui marchent. Parce que les récits qui font de l'Afrique un continent problématique, à un moment donné, il faut arrêter. L'Afrique bouge. Elle avance, il y a des initiatives innovantes qui ont un impact positif sur les grands enjeux africains et mondiaux. On n'en parle pas parce qu'on préfère organiser beaucoup plus de conférences sur les sujets problématiques africains, la guerre, la famine, la pauvreté et tout ça. Alors qu'à côté, c'est vrai qu'il y a des problèmes, il y a des choses qui marchent. Sur la question de la transition écologique ou sur la question environnementale, il y a énormément de solutions et nous, à l'occasion de la Semaine d'Afrique des solutions de cette année, qui aura lieu du 20 au 21 septembre à la mairie de Paris, en France, et du 17 au 19 octobre au Maroc, nous allons pouvoir mettre en lumière toutes ces solutions climatiques qui participent à façonner l'Afrique d'aujourd'hui et de demain. Il faut que les Africains puissent d'abord compter sur eux-mêmes d'abord. Il y a des solutions. Si ça marche dans certains pays, il faut aller voir comment ça a marché. Il faut aller en Somaliland. Si ça marche là-bas, il faut aller les chercher. Et il est de notre responsabilité des médias et des journalistes, parce que c'est aussi ça, c'est de pouvoir diffuser des connaissances à impact positif, parce que ces solutions qui existent dans ces pays, moi je ne connais même pas ce pays, je n'ai jamais allé là-bas. Donc si les médias n'en parlent pas, si les médias ne révèlent pas, ne valorisent pas, n'amplifient pas ce qui marche, afin de donner envie d'agir au plus grand nombre par le levier de l'inspiration, personne ne saura. Et c'est pour ça que nous organisons cet événement-là. – Oui, mais comment construire cet optimisme, monsieur Par les récits, il s'agit de faire émerger de nouveaux récits positifs et inspirants qui donnent à voir une autre Afrique, même dans le domaine climatique. – Oui, mais les discours, Brice Lalonde ne manque pas en Afrique, les discours, on ne connaît que ça. Pourtant, jusque-là, on a besoin de 100 milliards de dollars
Alors d'abord, pour la question climatique en Afrique. Les 100 milliards. Où est-ce qu'il y a eu cassure? Où est-ce que quelque chose n'a pas marché? Qu'est-ce qu'on ne voit pas pour pouvoir aller dans le sens de la positivité? Quand vous parlez de milliards de dollars, c'est abstrait, on sait pas, c'est trop grand. Et moi, je me souviens d'y travailler avec notamment l'Agence française de développement et autres, et j'ai appris beaucoup de choses. Et on me disait, mais 100 milliards, tu ne vas jamais dépenser 100 milliards. Où c'est que tu peux ? Donc, il faut que tu divises, il faut que tu fractionnes, et il faut que tu trouves les projets. Et pour trouver les bons projets, il faut connaître les gens, il faut avoir confiance dans les gens, il faut quelquefois avoir travaillé pendant 10 ans avec un pays, avec des gens dans un pays, on les connaît, on a confiance, l'argent y va, ça va, et du coup, ça avance. Donc, ce n'est pas du tout comme on imagine d'immenses sommes qui vont aller des États. Et ça ne marche pas. Et en plus de ça, quand on donne de l'argent pour des projets, l'État va dire « Ah, mais je ne veux pas que vous donniez de l'argent à des projets parce que les ONG vont devenir plus riches que les fonctionnaires. Ça ne va pas, il faut que ça aille à l'État. » Et donc, il y a beaucoup de discussions comme ça. Donc, ce n'est jamais facile. En revanche, quand on se connaît bien et quand on se fait confiance, alors là, ça avance. Mais je pense qu'au fond, la vérité, c'est bien vous qui l'avez dite. Ce n'est pas l'argent, il ne faudra pas... Quand vous êtes un investisseur, un investisseur classique, hein, un gars qui a du pognon qui ne sait pas quoi en faire, et on va lui dire, tiens, tu vas aller au Sénégal, là, il y a un bon projet. Alors, il y va, s'il est certain qu'il n'y a pas un coup d'État dans les 3 mois, etc., et s'il a confiance, s'il y a une gouvernance, s'il y a des banques, s'il y a des assurances, etc., à ce moment-là, il y a une espèce d'environnement favorable aux investissements et au développement, et il va dire, j'y vais, banco, j'y vais. Et c'est comme ça que ça va se passer, quoi. C'est progressivement, quoi. Ça ne se fait pas d'un coup. C'est progressivement, là, une certaine stabilité, un encadrement réglementaire prévisible, stable, et on y va. Et je pense que c'est en train d'arriver. Voilà, c'est en train d'arriver. Mmh. Il y a des pays, malheureusement, où il y a eu des coups d'État. Alors, du coup, on ne sait plus. Serge-Éric Meynier, vous dites ce jeu de financement exogène à destination de l'Afrique est un marché de dupes entre investisseurs et récipiendaires. Oui, les deux ont intérêt, chacun s'y retrouve finalement. Il y a deux blocs qui se dessinent très clairement. Les investisseurs, en réalité, ceux qui interviennent sur le financement des projets verts en Afrique, ils arrivent à trouver des projets dans lesquels investir. Pas autant qu'ils le souhaiteraient, parce qu'il y a pas mal d'argent qui ne trouve tout simplement pas de projet. C'est-à-dire qu'ils ont de l'argent, mais il n'y a pas de projet à financer. Les entreprises, en fait, ont tendance ces dernières années, du fait de la guerre en Ukraine, à réorienter leurs investissements, par exemple, vers les combustibles fossiles. Parce que la demande en pétrole reste abondante et que depuis que le pétrole et le gaz ne viennent plus de la Russie, on a besoin de trouver d'autres ressources pour compenser. Et ça, c'est un des problèmes que je lis au cynisme. C'est-à-dire que ceux qui ont décidé brusquement d'augmenter les investissements dans ces secteurs-là, c'est les mêmes qui avaient décidé d'arrêter d'investir parce qu'il fallait limiter les émissions. Sauf qu'ils se l'autorisent quand ça sert uniquement leurs propres intérêts. Au début de la guerre en Ukraine, les capitales, les chancelleries européennes ont envoyé leurs représentants sillonner toute l'Afrique pour signer de nouveaux contrats. Le Botswana avait des demandes régulières pour produire davantage de charbon, qui est en passant le combustible le plus émissif qu'on connaisse à ce jour. Oui, sa reproduction a tout d'un coup repris. Voilà. Sa production a tout d'un coup repris. Donc, alors que pour des besoins de guerre, finalement. C'est ça. Donc, pour détruire l'homme, détruire un pays, on a besoin en plus de détruire la nature. Donc, et ça, c'est là où se trouve ce problème de cynisme. C'est-à-dire que, et en même temps, ceux qui financent ces projets disent à l'Afrique, surtout ne pas toucher aux combustibles fossiles. Or, demander à l'Afrique de ne pas utiliser les combustibles pour se développer, c'est juste lui demander de rester pauvre. On ne sait pas, à ce jour, développer un pays, un continent, sans recourir aux combustibles fossiles. Pour goudronner une route, vous avez besoin encore du pétrole, on ne peut pas faire autrement. Pour construire des buses qui vont être utilisées pour canaliser l'eau
ou d'autres sources, éléments liquides, on ne sait pas comment faire, il faut construire des digues, etc., face à la montée des eaux. On ne peut pas le faire en excluant d'avoir recours aux combustibles fossiles. Et donc ça, c'est toute cette hypocrisie que je dénonce. Je dénonce aussi la part, effectivement, des responsables africains qui, aujourd'hui, pour masquer leur bilan, n'ont rien trouvé de mieux que d'adhérer au discours du changement climatique en disant, mais effectivement, si on souffre aujourd'hui, c'est parce que le climat a changé, et le climat a changé parce que les riches les occidentaux ont pollué, alors qu'en réalité, ce n'est pas le cas. Le Nigeria est le pays au monde qui a le plus haut déficit d'énergie de la planète. C'est-à-dire qu'il y a, sur 220 millions d'habitants, il y a à peine un quart qui a accès à l'électricité. Pourtant, le Nigeria est un grand producteur de gaz et de pétrole qui pourrait servir pour générer l'électricité. En passant, il importe aussi le pétrole que lui-même produit, oui. Faute de raffinerie, ce qui est complètement aberrant. Complètement aberrant. Aberrant. Merci, c'est la fin de cette deuxième partie de Tumult sur Global Africa Télésud. Nous revenons dans un instant pour envisager des perspectives, être Brice Lalonde optimiste. À tout de suite. Bon, enfin, c'est vrai, j'ai un peu traîné sur Internet la semaine dernière. Ah. Je suis tombé sur des codes craqués. Mais moi, j'ai pas craqué, hein. Bravo. J'ai tenu bon. Je suis fier de vous. Je tiens bon. C'est bien. Merci à vous qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Je tiens bon, je tiens bon, je tiens bon. Chers invités, chers téléspectateurs, nous revoici pour la dernière partie de notre émission L'Africa Alone de la COP 29 à Bakou. Et nous nous penchons sur la question du financement principalement. Mais avant de continuer, nous allons vous annoncer avec regret l'arrestation des membres de Tournons la Page à Lomé qui revenaient d'une conférence à Accra et qui ont été arrêtés. Les membres de Tournons la Page demandent leur libération sans condition. Voilà donc, même invité, même plateau, nous allons donc poursuivre avec notre émission sur le climat, les avantages. Aujourd'hui, le solutionneur, l'Afrique des solutions, vous êtes un solutionneur africain. Alors, quelle solution, quelle perspective pour l'Afrique d'être à la fois autonome et à la fois acteur du contrôle de son climat, par son financement, bien sûr, oui, notamment. Moi, je pense que on ne peut pas importer les solutions qu'on en voit souvent dans les conférences internationales en Afrique, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Il faut permettre aux Africains de se réunir, de se retrouver autour d'une table pour faire le point de ce qui marche déjà, de ce qui existe déjà en la matière et de pouvoir concevoir des solutions qui puissent nous permettre d'améliorer la situation environnementale sur le continent. Et ces initiatives ne manquent pas. Et c'est pour cela que dans le cadre de la semaine de l'Afrique des solutions que nous organisons, nous allons pouvoir mettre toutes ces initiatives qui marchent, toutes ces propositions qui marchent déjà, qui ont un impact positif déjà dans certains de nos pays. On va les mettre, comme on appelle ça, en lumière pour permettre aux gens de savoir qu'il y a des actions importantes, concrètes sur le terrain en Afrique. Parce que le niveau de développement n'est pas le même entre les pays européens et les pays africains. Donc si nous prenons les solutions qu'on utilise ici, et donc les pays africains participent à ces conférences et repartent dans leur pays, ça ne marchera pas. Et c'est pour cela que les engagements ne sont pas pour la plupart respectés. Je suis convaincu que cette année aussi, ça va être la même chose. Ils vont faire le constat que la plupart des engagements pris l'année dernière n'ont pas été respectés. Ils vont les reconduire. Et en 2025, nous allons encore nous retrouver pour parler des mêmes engagements. Il est temps pour les pays africains de se retrouver peut-être par le biais de l'Union africaine ou de je ne sais quelle institution pour voir, faire preuve de créativité pour voir, en fonction de nos réalités sur place, que faut-il faire. Et d'abord compter, parce que si vous comptez sur les 100 milliards de dollars ou bien d'euros d'ailleurs, ça ne viendra jamais. Donc nous devons nous-mêmes créer nos propres recettes, nos propres ressources pour faire face aux défis climatiques sur le continent. Possibilité envisageable de créer, de générer par soi-même en Afrique le financement nécessaire, ou est-ce qu'il faut laisser, comme le suggère donc Serge
Eric, de laisser l'Afrique se développer, parce qu'on n'a pas atteint, on n'a même pas le niveau 5 sur 75 de son développement. Est-ce qu'il faut le laisser arriver au moins à son pic pour pouvoir prétendre ensuite au règlement, aux questions de règlement climatique? Alors, d'abord, les 100 milliards, ils sont arrivés. Hein. Mais en revanche, la discussion à Bakou, ça va être, mais ça suffit largement pas. Ça va, il en faut beaucoup plus. Donc, on verra ça plus tard. Je pense que ce que vous avez dit est juste. C'est d'abord aux Africains de décider comment ils veulent faire. Hein. Bon, d'abord, c'est ça. Et ensuite, on va discuter avec les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avenir de la planète, en termes de climat, ça va dépendre de l'Afrique. Parce que les autres pays, à peu près, ils ont commencé maintenant à faire ce qu'on appelle la transition. Même la Chine. Si vous voyez en Chine les quantités incroyables de panneaux photovoltaïques solaires, d'éoliennes, etc., ils ont commencé. Hein. Voilà. Et donc, l'Afrique, elle va doubler sa population. Ça va être la plus grande partie de la population mondiale, ça va être en Afrique. Bon, bah, donc, le choix de l'Afrique dans cette direction ou dans cette direction, ça va jouer un grand rôle sur la planète tout entière. Donc, il y a une discussion très importante. Mais déjà, vous voyez bien, regardez l'histoire du téléphone. Avant, le téléphone en Europe, il fallait faire des lignes électriques partout. Maintenant, le téléphone portable, les satellites, tout ça, il n'y a plus besoin de lignes. Donc, on est déjà à une étape très différente du développement. Et pour l'Afrique, c'est aussi une chance. On peut sauter par-dessus des étapes, aller directement à ce qui va se passer après. Et donc, moi, je suis très confiant. Alors, ce qui est après, c'est quoi? C'est le digital, hein, et c'est les énergies renouvelables et le nucléaire, grosso modo, c'est à peu près ça. Bon, alors maintenant, il faut travailler là-dessus. Comment fait-on? Est-ce qu'on peut aider? L'énergie solaire se développe très, très beaucoup dans les zones rurales. Vous parlez des zones rurales, ben, l'énergie solaire, c'est gratuit quasiment. Hein. En revanche, dans les villes, c'est pas assez. Et là, il faut vraiment des solutions massives, très fortes. Et donc, pour l'instant, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'il y a beaucoup de gaz. Et donc, il y a un développement du gaz. Alors, le gaz comme énergie de transition. On ne va pas rester dans le gaz, mais ça va nous aider à passer à autre chose. C'est ce que vous disiez. Le fossile, on en a besoin pour se développer. C'est ce qu'il y a de plus commode, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et ben, le gaz, il y en a au Sénégal, il y en a au Mozambique, il y en a en Algérie, il y en a un peu partout, quoi. Hein. On en trouve partout. Dès qu'on cherche, on en trouve. En Namibie, c'est pareil. Enfin, bon, voilà. Donc, là, il y a un effort. Mais il faut aussi que l'Union africaine, enfin, il faut aussi qu'il y ait une coopération inter-africaine un peu solide, hein, parce que quand même, quelquefois, ça s'engueule, quoi. Hein. Et puis ensuite, il faut discuter. Mais vous avez raison, c'est un territoire, enfin, l'ensemble des 54, moi j'avais dit 52, les 54 pays, des richesses incroyables, des richesses phénoménales. Et donc, il faut essayer de les utiliser, pas les gaspiller d'abord, et puis le faire bien. Il y a des choses, regardez, même avec la Chine, là, il y a quelques jours, le grand sommet africain-chinois, il y a des choses remarquables dans la coopération. Bon, donc, si vous voulez, il n'y a pas de raison que ça aille mal. Voilà, le tout, c'est qu'il faut avancer. Il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. Pourquoi? Parce que le progrès technique va incroyablement vite aussi. Et les Africains, ils doivent le saisir. Voilà, il faut s'en servir. Brice Lalonde a parlé tout de suite de l'explosion démographique en Afrique. Alors que Serge Eric dit que cette explosion ne servira pas à l'Afrique tant qu'il n'y a pas derrière une construction scientifique de l'utilisation de cette population qui viendra. Et cela passe par la transformation de nos ressources pour contenir les populations et leur donner des expertises qui puissent d'abord les fixer sur le continent avant toute autre chose, n'est-ce pas ? Il y a l'explosion démographique en Afrique, c'est un discours qui passe très mal. Tout le monde pense le contraire, mais pour moi, ça apparaît comme étant le plus gros problème de l'Afrique. C'est ça qui risque de condamner définitivement l'Afrique à la pauvreté. Alors, tout simplement parce que ça demande un effort colossal de développement dont l'Afrique n'est pas capable aujourd'hui. Et avec le malgré vos propres calculs dans lesquels vous trouvez qu'il y a 400 millions d'hectares Non exploité. Donc, il faudrait déjà répondre à cette population qui vient. Là, d'ici 2050, juste dans les grandes villes, il y aura à peu près 950 millions de nouvelles personnes dans les grandes villes. D'ici, c'est énorme. Donc, comment gérer cette situation? Il faudra des maisons, il faudra des routes, il faudra des écoles, des hôpitaux. À l'heure actuelle, déjà, avec la population
que possède l'Afrique, elle n'arrive déjà pas à répondre aux besoins de ces populations. Et la Coupe des... qu'est-ce qu'il faut faire, cette dernière partie de l'émission, c'est trouver justement les perspectives. Qu'est-ce que vous proposez? Ce qu'il faut faire, c'est... On en parlait dès le début au niveau des ressources propres, locales. C'est déjà de se servir de ce que l'Afrique a besoin de, pour permettre son développement sans compter sur l'extérieur et qui lui permet d'avancer. L'agriculture, par exemple, parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui vous tient énormément à cœur, en est un. C'est-à-dire que l'Afrique reste importatrice nette d'aliments. Oui, parce que si le secteur tertiaire est développé, c'est comme ça que tous les grands pays ont commencé leur développement. C'est ça. En développant le secteur tertiaire qui offre des métiers, des perspectives. C'est ça. Et à manger d'abord pour soi, ensuite à exporter. Le surplus. Et donc il faudrait déjà orienter, pour moi il me paraît intelligent d'orienter massivement les financements, les ressources financières dont dispose l'Afrique actuellement vers l'agriculture pour augmenter les productions. Donner des semences aux agriculteurs, apporter des formations, des transports, parce qu'en Afrique, on a remarqué qu'à 10 km entre deux villes, vous avez une ville qui est très riche en aliments parce qu'elle produit énormément, les terres sont fertiles, et 10 km plus loin, vous avez une famine, tout simplement parce qu'il n'y a pas la possibilité de transporter les denrées alimentaires d'une place à une autre. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, il faudrait adresser ce problème-là, absolument. La deuxième échelle, c'est effectivement la transformation de ces produits-là. Parce que derrière la transformation, vous gagnez énormément d'argent, vous créez des emplois. Je prends un exemple tout simple. Les noix de cajou, le premier producteur mondial de noix de cajou, c'est la Côte d'Ivoire. Le premier exportateur mondial des noix de cajou, c'est le Vietnam. Pourquoi ? Parce que le Vietnam achète à la Côte d'Ivoire ses noix de cajou. Va transformer ses noix. Elle les transforme. Elle renforce son économie au détriment du renforcement de l'économie ivoirienne. Résultat, la Côte d'Ivoire par an a 52 millions d'euros issus de la production des noix de cajou. Et en même temps, parallèlement, le Vietnam a 3,5 milliards. C'est aussi simple que ça. On ne peut pas faire plus simple là-dessus. Alors, je vais m'adresser à Léonce, le solutionneur. J'ai vu 100 personnes, une famille de 100 personnes, vivre avec un hectare de coton. L'exportation est en dessous des plantes, mettre du gombo, des carottes, des choux pour vivre. Et le coton sert à l'exportation. 100 personnes. Ici, chaque campagne, on voit des hectares d'espace cultivés par une famille de moins de 5 personnes, avec le matériel nécessaire. Nous, chez nous, que ce soit chez nous au Bénin, chez nous au Cameroun, chez nous au Mali et chez toi au Sénégal, c'est la daba, la houe, qui est l'instrument principal de l'agriculture. Alors, c'est la mécanisation agricole, parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore à l'heure de l'utilisation... C'est pas des roues, des coucous, poudre, c'est archaïque à ce niveau. Et la seule réponse juste et durable à cela, c'est la vision. La différence entre les grands pays et nous, c'est parce que nous avons à la tête de ces États-là des visionnaires. Et tant que nous n'allons pas en fabriquer dans nos pays, en Afrique, ça va être très, très compliqué. La poussée démographique, pour moi, je pense que c'est une chance pour l'Afrique, à condition, bien évidemment, qu'on se prépare et qu'on ait des visionnaires qui puissent travailler d'abord, transformer nos matières premières sur place, empêcher, autant que se fait peu, leur exportation pour pouvoir produire des richesses, créer de l'emploi pour nos jeunes, créer des écoles, des centres de santé, des hôpitaux, des routes, des infrastructures routières, marchandes et tout ça. Merci. C'est bien possible. En quelques secondes, est-ce que vous pourriez nous faire construire en Afrique une raffinerie écologique au Nigeria ? Si le Nigeria veut, il est capable d'aller trouver les investissements. Le Nigeria est un pays considéré comme un des principaux pays porteurs d'avenir en Afrique, qu'on le veuille ou non, parce qu'il est grand et il a beaucoup de population. Bon, moi, je pense qu'il y a autre chose. Moi, l'agriculture ne me fait pas peur. Il y a des tas de choses extraordinaires qui vont se préparer dans le domaine de l'alimentation et de la production de nourriture. Donc, attendons un petit peu, mais il n'y a pas trop de problèmes. Ce qu'il faut maintenant, c'est du froid. L'industrie du froid est très, très importante.
Et on la néglige souvent. Une grande partie des récoltes dont vous parlez, ben, elles pourrissent parce qu'il n'y a pas de froid. Et on n'arrive pas à les conserver. Et comme en plus il va faire de plus en plus chaud quand même, qu'on le veuille ou non, au Nigeria ou ailleurs, il va falloir aussi de l'air conditionné, d'une manière ou d'une autre. Et donc, je dis ça parce que quand on parle du changement climatique, il n'y a pas simplement la lutte pour ne pas émettre, mais il y a aussi s'adapter au changement climatique. Et là, il y a beaucoup de boulot aussi à faire. Et personnellement, je pense qu'il faudrait que toutes les salles de classe, pour l'éducation, il faudrait qu'on puisse les rafraîchir, pour que ce soit plus commode, qu'on puisse non seulement les éclairer. Enfin, d'accord, c'est la fin de l'émission pratiquement. On va laisser Serge Meunier nous dire si dorénavant tous les cadavres à l'échelle mondiale seront enterrés le même jour de leur décès comme chez les musulmans. Où il y a des perspectives, en quelques secondes. Il y a beaucoup de choses intéressantes. La Namibie, actuellement, va devenir le premier, et quasiment déjà le premier pays producteur d'hydrogène vert. C'est un projet qui séduit beaucoup de monde. Il exploite tout simplement du soleil, de l'eau et ses espaces pour le produire. La demande commence à affluer. Là, j'ai vu récemment que les Hollandais ont construit un port de plus de 250 millions d'euros pour commencer à se préparer à leur recevoir. Donc il y a des choses qui se font. Il y a le projet Dinga au Congo qui remonte à 1980, qui intéresse certains investisseurs parce que c'est écologiquement intéressant et ça n'émet pas. Et ça permet d'alimenter plusieurs pays en même temps. Normalement, et les sommes c'était capable ne sont pas de… Ça, c'est un projet de mon enfance. J'ai vu mettre en place ce projet-là. Enfant, en RDC, en face de chez moi à Brazza, mais jusqu'à présent, l'Afrique n'a pas… Là, il a l'air de ressusciter et c'est une bonne chose. Donc il y a merci. Des choses qui se passent bien. Merci à Léonce Gwadi, président de Semaine africaine des solutions, Semaine de l'Afrique des solutions, SAS. Merci à Brice Lalonde, militant écologique, ancien ministre de la transition écologique. Merci à Serge-Éric Meunier, fondateur du cabinet Grassfield Adventures. Ventures. Qui apporte entre autres aussi des solutions. Donc deux solutionneurs sur le plateau. Auteur de l'Afrique face au cynisme climatique. Donc nous avons parlé de l'Afrique à l'aune de la COP 29. Merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page YouTube, sur notre compte YouTube, afin de ne rater aucune émission de Afrique. De Télé-Sud et de ne manquer non plus aucune émission de Tumulte. Merci à vous.